font-ils ça? Comment met-on au point un jeu vidéo? Comme nous, vous vous êtes sûrement posé la question. Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Villeurbanne, chez Infogrames, une entreprise tout ce qu'il y a de français. 150 millions de chiffre d'affaires, cotés en bourse, du sérieux. Ici, entre autres choses, on fait dans le jeu vidéo de A à Z. Par chance, un jeu était en cours de finition. Vous les reconnaissez, les Schtroumpfs? Ils seront bientôt à portée de vos manettes. Mais nous, revenons quelques mois en arrière. Quand on décide de faire un jeu vidéo, la première étape, figurez-vous, consiste à imaginer une histoire. Écoutez, le jeu sur les Schtroumpfs, c'est une catastrophe. La Schtroumpfette a disparu. Donc, dans le pays des Schtroumpfs, ils sont tous perdus. Et trois Schtroumpfs se dévouent, le Schtroumpf gourmand, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf costaud, pour aller la sauver des griffes de Azrael, le méchant chat de Gargamel dans son château. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un jeu de plateforme, c'est-à-dire que le petit personnage évolue dans le monde en sautant sur différentes plateformes pour éviter les agressions de ses multiples ennemis et pour surtout gagner des points en étant au bon endroit au bon moment. Une fois l'histoire définie, c'est une véritable tempête de cerveau qui commence. En franglais, le brainstorming, qui doit aboutir au storyboard, c'est-à-dire au découpage du jeu. Parce que là, il est carrément terrorisé par la piqûre. On va définir le territoire dans lequel le joueur va pouvoir évoluer, les différents univers, tous les ennemis, tous les accidents de parcours du personnage, et encore plus important, les interactions, c'est-à-dire les mouvements que va pouvoir donner au petit personnage le joueur lorsqu'il joue au Schtroumpf. Bah, il saute, on va le faire, je sais pas, on le fait sauter un saut, une marge différente du Schtroumpf normal, je pense que ça serait mieux. Donc est-ce qu'on n'est pas le même, bon, le Schtroumpf là il marche, une marche normale. Dans son comportement, plus sa couleur, qu'il est pas comme les autres. Ouais, celui-là évidemment il est noir, donc j'ai pas de crayon adéquat, mais bon. En fait, il noircit, il faudrait faire une étape d'animation où il se noircit vers le... Ouais, on peut le faire passer. Du bleu au noir, ouais. Une fois le découpage terminé, on se met au travail devant un écran d'ordinateur. D'abord, on crée les décors dans lesquels évolueront les personnages. Ici, par exemple, la forêt. Ce décor n'est pas statique. Il doit pouvoir évoluer à droite ou à gauche, ou en hauteur, selon les déplacements des personnages qui vont la traverser. Et maintenant, soyez très attentifs. Voici le mot-clé des fabricants de jeux vidéo, le sprite. Difficile à traduire en français. Mais surtout, un sprite, qu'est-ce que c'est? Ah, le sprite, le mot magique de l'informatique. Ben, le sprite, c'est ce qui anime l'écran. Le sprite, c'est cet ensemble de petits dessins animés qu'on stocke dans la mémoire de l'ordinateur et qui vont nous permettre de faire bouger le personnage. Donc, vous voyez, ici, par exemple, nous avons un petit dessin animé qui le fait sauter, un petit dessin animé qui le fait avancer dans un sens, ou alors, au contraire, avancer dans l'autre sens. Tout cet ensemble d'animations, c'est ce qu'on appelle les sprites. En résumé, tout ce qui bouge sur un écran de jeu vidéo, c'est un ensemble de petits dessins animés appelés sprites. Prenons le temps de comprendre. Faire un jeu vidéo consiste donc à réaliser une certaine quantité de petits dessins animés, appelés sprites, et confectionner image après image par un graphiste, exactement comme au cinéma. En voici quelques exemples. Ces petites animations seront stockées dans la mémoire de l'ordinateur au cours de l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape la plus importante. C'est ce qu'on appelle l'étape de programmation. C'est le moment où ce décor qu'on a construit, ces petits dessins animés, sprites qu'on a stockés, vont être réunis pour interagir. Alors interagir, il y a trois types d'interactions. La première, avec la manette de jeu, avec le joueur. En fonction des mouvements que va décider le joueur, le personnage doit évoluer d'une certaine manière. La deuxième interaction, c'est celle du personnage principal avec son univers, notamment avec les autres personnages qu'il va rencontrer, comme dans le cas de la chenille, par exemple, en ce moment. Et la troisième interaction, c'est celle du personnage avec son décor, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer quand, par exemple, il va tomber dans un trou. Alors, ces trois interactions ne sont pas magiques, elles sont gérées par un programme, par des dizaines de milliers de lignes de code de programme faites par plusieurs personnes, en l'occurrence dans le cas des Schtroumpfs, une dizaine de personnes, qui ont écrit plus de 60 000 lignes, c'est-à-dire 10 fois plus qu'un traitement de texte sophistiqué pour réaliser ce produit. Et bien après la programmation, on a quasiment terminé notre travail, si ce n'est qu'il faut faire les finitions.
donc illustrer le jeu musicalement, c'est-à-dire créer une musique originale. Et enfin, une partie très difficile, parce qu'elle est faite par les enfants, c'est le test. Le test qui nous permet de savoir si un jeu est trop dur ou il est trop facile. Donc il y a beaucoup d'aller-retour entre le test et les programmeurs pour régler le jeu. Et voilà, vous savez tout, en tout cas, sur la manière la plus couramment utilisée de réaliser un jeu vidéo. Dernière question quand même, combien de temps et combien ça coûte ? Eh bien, un jeu comme ça, comme les Schtroumpfs, a pris à peu près 10 mois, à une quinzaine de personnes en tout pour travailler. Et le coût d'une production comme les Schtroumpfs est de l'ordre de 2,5 millions de francs.